Salut à toi YouTube, on se retrouve pour le 6ème épisode de Star Wars Jedi Fallen Order. Et cette fois-ci, nous allons en direction Kashyyyk. On a fait un petit peu notre taf. Est-ce que tu veux parler de Maître Yoda? Oui. Oh, ça parle de Yoda. C'est une légende. Une légende. Je veux parler de Maître Yaddle. Le membre du Haut Conseil Jedi? Ouais, on a tous des rêves, ok? Touche pas au mien. Ok, je suis pas venu ici pour souffrir. Ok. Donc on y va pour Kashyyyk, les amis. On va certainement retrouver notre ami Chewbacca, qui est un Wookiee qui vit sur la planète Kashyyyk. Mais là, il faut qu'on retrouve Starfool là. Ah, c'est problématique ça, non? On va quand même pas forcer ce blocus. Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hey, Grise, ouais. Dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Braca, les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller les scanners. Ok, stylé. Très bien. Chewbacca, oui. En deux mots, Chew plus loin Bacca. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. Pas rassurant. L'Empire dépouille Kashyyyk de ses ressources naturelles. Les Wookiees sont asservis. Ou alors déportés. T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookiees et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Starfool est peut-être avec eux. Starfool peut être Starfool. Tout. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution. Et ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Braca. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Ah, il est sous la table. Écoute. Ces marcheurs peuvent transporter des troupes, alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière grise de faire des miracles. Lol, ça m'a rendu. Fais-moi plaisir. Essaie de rester en vie, c'est d'accord? Je vais tout faire pour ça. T'inquiète, Kékette. Tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, petit gars. On se jette à l'eau, BD. Wouh! Je pense que ça va être relativement stylé, cette partie sur Kashyyyk. Je pense que ça va être cool. Bébé, allons aider les Wookiees. T'es prêt à y aller? C'est quand même extrêmement stylé. Là-bas. Comment faire pour entrer? Oui, tentons par la patte. Ok. Et maintenant? Heureusement qu'il y a des lianes. Hein. Faut pas qu'il s'écrase par contre.
Encore un petit peu. Il a de la barbe. Merci, BD. Grimpons tout en haut. Ok, ceux-là, je me les suis pris par contre. Sors le normal, s'il te plaît. C'est un speeder, ça? Ah oui, ils se sont fait un peu cramer la gueule. Je regarde s'il y a rien à... Non, ça... Oui, oui, c'est, ce sont des motojets. Ouais. Je vois un nouveau vaisseau sur le scanner. Ils sont mieux équipés qu'on le pensait. Quel est l'état de la coque? Elle est dans un sale état. On est à 70% d'intégrité et ça baisse encore. Il trouve tout de suite droite. Pour écraser ces insurgés. Bing. C'est nul. J'en reviens pas que ça ait fonctionné. Ok. Marche. Bon rapport, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous enseignez le protocole impérial. Faire taire, BD. Arrêtez-vous, on en est si trop. Pas mal. Ça, c'est une vraie bécane, mon gars. Donc ça, c'est les blasters. C'est stylé. Hey, qui es-tu, toi? Ah, Sogerera. Quelqu'un vient de vous rapporter un TBTT. Et vous, qui êtes-vous? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin de renforts. Bien compris. Allons les mettre vraiment en colère. Et j'étais pas obligé de passer par là, quoi. Oh la vache! On y est presque. On peut le faire. Ah.
décollera pas, petit bâtard. Il se dirige sur nous. Tu peux faire quelque chose? Accroche-toi. Wow. Ah, vache. Prépare-toi à m'aider. Qui les a endormis, ouais, avec un petit S. Ouais, ça va. Et toi, BD? Non, on peut pas faire ça toute la journée. Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom? Cal Kestis. So Guerrera. Tu fais quoi sur Kashyyyk? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là? Avec mes hommes, on est venu sur Kashyyyk pour interrompre le ravitaillement impérial. Hey ! Alors, qui est-ce que tu recherches ? Un chef Wookiee qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant ? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance, Wookiee, qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré ? Grise ? Lui, c'est So. Comment ça va? Pourquoi cherchez-vous Tarful? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. C'est sur un corps que tu l'as trouvé? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui sert de Wookiee comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est parti. Oh, une seconde, attendez un peu. Le Mantis, c'est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go! Go! Bon, c'est bien, on a des potes. Alors on va peut-être se mettre à méditer. Elle est pas en état de se battre. Ta gueule. Ta gueule, le wiki. On a pas le temps. Ouais, moi j'ai le temps. Attends, j'avais vu tout à l'heure le petit. Il était sous la table. Il est plus là. Il est parti où ce bâtard? T'es où, petit bâtard? Petit bâtard? Je sais pas. Allez. Allons-y. Se reposer. On a un point, mais on va garder. Pour l'instant. Bon, ici, on devrait trouver des plantes. Ah, mais tout est bien. Ouais, ouais, content de te voir aussi. C'est un vrai dépotoir, cet endroit. Ton plan a marché. Et maintenant, tu veux suivre ça? Par ici! Je reviens tout de suite. Attends, je pouvais. En avant. Attends. T'es en train de me dire un truc? Vous avez entendu parler des partisans? De simples rumeurs de Cantina. Mais rien de très sérieux. Ce sont des radicaux. Il paraît que l'Empire a mis des primes sur leur tête. Les Cantina? Vous fréquentez les Cantina? Les Jedi sont durs à trouver. On cherchait une piste. Et à boire! Enfin bon, on aura l'occasion d'en reparler. Très bien. Les Wookiees, ils sont au bout de leur vie. Ah, c'est un truc de la République, ça. Si ce plan tourne au vinaigre, on est fichu. Marie a repéré les garnisons les plus proches. L'Empire n'aura pas le temps d'envoyer des renforts. Très on bien. S'en sortira. Mais si oui. On est assez rapide. On a t'inquiète. So devrait se trouver au bout de cette zone. Ah, il a déjà avancé lui. Ah oui, d'accord, en fait, il me laisse complètement tout seul quoi. Quoi, j'ai l'impression qu'il est je suis un peu les pieds, non? Yeah.
Il y a peut-être des pièces de rechange par là. Ah ! Sympa la pièce de rechange. Pourquoi je peux plus sauter ? Il m'en faut un. Eh bah putain, la pute. Encore un ? Encore un quoi ? Une weak shock. Attaqué par derrière lorsque la créature est distraite par d'autres proies. Paraît son attaque plongeante pour l'éliminer rapidement. D'accord. C'est vrai que je pense jamais à... Ah, une nouvelle... Tu en es au niveau puissance électrique. Parce qu'avec ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. Et c'est parti, il est branché sur 220, il a pris de la coke. Ouais. Il est tout vénère. Il est tout vénère, Billy. Billy, Billy. Surcharge. Activer ou tu as l'air content. Super. J'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Ah, c'était le truc qu'on pouvait... Essayons ça. Ok. Donc sur... sur Zepho, on va pouvoir passer maintenant. Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris. Belle technique. Et je fais comment pour aller de l'autre côté du coup? Comment tu te sens, BD1? Je suis con ou... Tant mieux. Mais attends, je veux pas le louper cette merde là. Comment je fais du coup? Donc sur Zepho, on va pouvoir passer le truc qui était au bout, ouais. On pouvait pas aller dans le destroyer. J'ai besoin de ton aide. Là il s'arrête. Ah c'est bon, j'ai compris. Et je vais pouvoir remonter là. Bah non. Il faut qu'on charge ce truc. Mais je peux pas m'arrêter. Il reste là-haut ou pas? Très pratique. Ouais. Est-ce que t'es toujours là? Est-ce que tout va bien, BD1?
Alors tant mieux. J'ai pas compris. Ah bah attends, je suis con ou quoi? Je comprends pas comment tu veux que j'aille là-bas avec ça. Bon, écoute, ça m'a saoulé, je verrai plus tard. J'ai pas tout capté, hein. Ça se trouve, faut que j'aille un peu plus loin et je vais comprendre. Ah, je peux pas aller plus loin, donc comme ça au moins c'est clair. Ok. Je vais avoir besoin de ton aide. Je pense que je peux pas aller de l'autre côté pour l'instant. Fou, putain, mais il a sauté vraiment au bout du bout, quoi. Au bout du slip. Ah d'accord, avec le double saut. Mais je l'ai pas. Merde, ça explose ces merdes. Ok, très bien. C'est pas passé loin ça non plus. Allez, c'est parti ! Wouhi ! Jedi par ici. Ouais. Toi, t'as cru que la vie c'était facile, toi. Excuse-moi. La raffinerie de Sève Impériale est droit devant. Tu peux faire la mission tout seul. Merci. Rien de bon. Il raffine la Sève pour fabriquer un puissant composant, et la production se fait de plus en plus vite. On doit les en empêcher. Oui, c'est le plan. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. On a récupéré une carte qui prouve tout ça. Et voilà, BD. Toutes ces raffineries servent aussi de camps de prisonniers. Ces découpeuses vont nous servir à faire diversion, pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les Wookiees. Tu les déglingues tous. Ça sera précieuse pour stopper l'Empire. C'est compris. Ils sont un peu mal faits, les Wookiees, je trouve. Fais attention à toi. C'est un peu bizarre. Il a besoin de mon aide. Allez, BD. Allez, BD. Bidi, bidi, beat it. Très bien. Pousse. Moi, je prends quelques photos. Le jeu est quand même très très joli, je trouve. Ok, c'est parti pour la survie à la mode Bear Grylls. Allons-y. Se reposer. Ah, on a deux points, on va peut-être pouvoir en mettre. Ça peut être sympa. Ça permet de quoi, ça hein? Déviation agile. Cale dévie automatiquement les tirs de blaster lorsqu'il sprint ou court vers... Oh, oh, ça, je vais le prendre direct. Faut juste maintenir à L3. Dès qu'il court. Ça, c'est très bon, ça. Ok. Et puis ça, c'est rond carré. Ça peut être pratique. Allez. Merde, j'ai pas regardé. Ça fait quoi? Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez. C'est parti!
C'est parti pour foutre une un de ces sbeules, mon gars. Une des découpeuses est allumée. J'ai trouvé la clé. Tire de suppression. Bon, d'accord. Tirez. Attrapez-le. C'est ça, t'approche pas. T'approche pas de moi là. C'était à des guerriers Wookiee. Ils devaient certainement se cacher ici pendant leur bataille contre l'Empire. Il y a un truc caché ici. T'as glitch un peu. Ouais, bon, moi je glitch. Moi je triche, moi. Ça. J'attends ça depuis si longtemps. Les Jedi doivent mourir. Tu le perds. Par contre, 15 FPS, non merci. Ça, tu l'as senti en toi, bâtard. T'as l'air coincé, je vais régler ça. Pioche Cooper à bâton statique. Il faut que tu fasses sortir les Wookiees de là. Ne t'arrête pas, Jedi. Eh, les FPS. C'est ouvert, vas-y. Ah, sympa, ça a l'air stylé par là. Ça lag du cul. Oh putain. Des scarabées flappent, ils sortent des murs. Visez le nez. Vous êtes sûr que cette chose est morte? Y'a pas de coffre derrière moi. En avant. Allez, viens te battre. Waouh. Tenez-vous bien. Allez, tac, vite. C'est terminé. Des lance-flammes. Des flammes troopers. Très bien. Trouver des moyens de surprendre ce soldat. Le fusil lance-flammes doit refroidir après utilisation provisoirement pour rapprocher et frapper. Ok. Par là, y'a rien. Quoi? Ah oui. C'est vrai que du coup, je sais pas scanner ça là. Ok,
Des scarabées flammes. C'est par là qu'on va passer. Si on peut passer par là. Ah non. Pas du tout. C'est que par là. T'es sûr que tu veux vraiment te brancher là-dessus? Ok. Ok. Un raccourci? C'est pour ça que tu voulais déplacer ça. Scarabée flamme, tu n'es pas... Ouais, il voulait juste s'amuser. Oh, t'es vraiment trop con hein. Attends, parce que je peux aller... Putain, je peux aller partout. Scarabée flamme, tu n'es pas... Aïe. Et pourquoi je peux aller là, alors? Je comprends pas. Bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je peux aller par là. Hop là. Un petit peu trop nombreux. Excusez-moi, je peux méditer. Je vais donc méditer. Brûler tout le temps que je médite. Maintenant, je vais pouvoir venir vous éclater la gueule. Comme il se doit. C'est pas... Attendez, je vous laisse vous battre. Je peux peut-être passer par autre part pour les niquer. Passer par là. Bonjour, enchanté. Ouais! Vas-y! C'est parfait ça! Tu l'as cette grosse pute! Hop là, ça dégage. Voilà! Très bien ça. Un bon petit nettoyage. Ouh. Ah. Quoi? Ah, ça m'a fait des dégâts? C'est une blague? Ce jeu est une blague des fois. Hein. Foubidou? Oui, ça pète, ouais. Baril de sève. Allons-y. J'arrive toujours pas à toucher un mythe, j'ai parlé au capitaine. Ils arrivent. Oh, c'est bon, on y est. Au moins, on a l'avantage. C'était quoi ça? Une autre découpeuse piratée. Découpeuse active près des cellules. Bien foutu ça quand même. Très très bien fait. Ça c'est vraiment... Moi j'en ai zizi dur. Je trouve ça extrêmement bien fait. C'est très plaisant. Ces mouvements et tout sont juste... Ça par contre c'était pas malin. Est-ce que tout va bien là-dedans? Oui pour l'instant. On est presque à la prison.
Parfait. Peggy 28. Les presses impériaux parcourent toute la planète. Si tu ne libères pas vite les prisonniers, ça va marcher. Ouais, si, je peux prendre mon point. Parce que de toute façon, là, c'était pas trop dur. C'est quoi ça? Combo retardé. En retardant son attaque après un coup de sabre à double lame, cela peut effectuer une série d'attaques dévastatrices. Vas-y. Attends, je voulais voir ce que ça donnait quand même. Ya. Ouais, c'est juste sa tape quoi. Ok, très bien. Merci. Je sais pas si. Il y a le double tap là-dessus. Ah, j'ai pas le double tap. Allez, ok. Ça ne veut pas s'ouvrir. Tout ça pour ça. Le Jedi ne va pas tarder. Et en ce qui concerne nos renforts, il va de retraite. Parfait. Mais complètement pas! Jurons les traîtres jusqu'au dernier. Je vais te tailler en pièces. L'Empire me rend plus fort. À peine une égratignure. Vite, aide-moi. Il a pris un stem. Le Jedi est blessé. Est-ce que tu trembles, Jedi? Bon allez, vas-y, viens. Arrête de parler maintenant. Voilà, ta gueule. Bah, saoulé, lui. Attends, vous m'attaquez, vous êtes 15, quoi. Bande de schlag. Ok, j'arrive là. Oh, le gros bouc! La limace bouc! Le limace bouc! Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Un slig! Par contre, ouais, faut plus que je joue avec ça parce que. J'ai pas assez de dégâts le double.
Passion et puissance. C'est flamme de l'enfer, cette merde là. Ok, je viens de là, j'ai été là. Y a rien d'autre là. Attends, où je suis là? Une sorte de wyvern derrière chelou là. Ah, c'est une cage. Ok. Est-ce que c'est l'accès aux terres d'ombre? Il y a sûrement un passage. T'as raison, la forêt est beaucoup trop vaste. Retournons voir Saw. Ça veut dire pour l'instant, touche pas à sa petit con. Rentre chez ta mère. Fasse gaffe parce que c'est pas par là que je suis passé tout à l'heure. Ah bah voilà, nickel. Super. C'est quoi, essence de vie ou essence de... je sais pas quoi. Allez. L'opération s'étend au secteur 7. Une zone appelée les terres d'ombre. Elle regorge d'ennemis. Ce truc a besoin de courant. Eh bien, c'est bon. Ah non, il sait pas faire. Ok. Ah, j'ai oublié un coffre là-bas. Ouais, j'ai pas été là-bas, ok. J'ai pas été à gauche là-bas non plus. Je vais pas redescendre. Ah oui, j'ai pas été par là. Ça, je m'en doutais le cul, et c'est la grosse. Elle m'a bouffé la tête. La grosse pute. Que j'ai médité pour la dernière fois. Chier. Je me suis fait un peu avoir. J'aurais dû méditer. J'aurais dû méditer.
Bon, en tout cas, ça me dit pas trop. Vas-y, je peux aller à gauche là-bas. Allez, ça c'est d'où je viens, donc je m'en tape le coquillard. Je m'en tape le coquillard comme un long mille. Bon, de toute façon, dans tous les cas, faut que je revienne par là, parce que par là. C'est verrouillé. On met du thé dans une tasse? Quoi? Ah mais il y a l'autre. Ouais. Rien à foutre! Voilà, plus de problème comme ça. Trouvez une faille! Je suis sûr qu'on t'aura. Voilà, je n'ai pris strictement aucun dégât. Ça c'est fait. Merci d'être venu. C'était gratuitement trop facile. Alors. Donc faut que je vais retourner la voir la grosse araignée de Seymour. Est-ce que vous m'excuserez, mais j'ai bien envie de la faire. Mais non. Combien elles sont? Elles étaient trois tout à l'heure. Putain mais t'es un schlag. Mais putain. Non mais attends, c'est du foutage de gueule ou ça se passe comment là? Mais c'est une blague. Oui, j'ai l'air flemme, en même temps on me tire de partout. Putain la vache, j'ai perdu toute ma vie quoi. Viens là, BD1. Hey. Qu'est-ce que c'est, BD1? En fait, je suis con parce qu'à ce moment-là, ça, je devrais le laisser comme il est quoi. Je me demande si Gris peut les cuisiner. Alors attends. Je peux me reposer juste ici, là. On va se reposer parce que... On va se faire encore péter le cul et on va les laisser se battre. Puis on vient après la bataille. Ouais, non mais c'est n'importe quoi. Elles sont où les... Eh, une pas. T'as remis les autres commandes? Non, j'y ai pas touché.
Mais lol, j'avais pas vu qu'il y avait un passage par là. Il faut que je fasse gaffe parce qu'elle est là. Ah non, elles sont là, tu vois, elles attendent ici. Peut-être pour apprendre l'écho sans qu'elle me tombe dessus. Patrouille à la base. J'ai trouvé quelque chose, on dirait une sorte de toile. Expliquez-la ! Ah, nouveau poncho commando. Ils sont pas terribles les ponchos, je trouve. On va l'éviter. Bon, en tout cas, c'est pas par là qu'il faut aller. Par contre, on peut aller à gauche là-bas et à droite là-bas. Ok. Putain, mais casse les couilles. Vache! J'ai raté la cible! On l'a presque tué! Besoin d'un steam! Putain! Ça aide! Le problème, c'est que je crois qu'elles arrivent par là, les. On va essayer de sprinter. Ah, c'est bon. Quelle merde. Ah, c'est vrai que c'est dégueulasse ces ponchos. Hein. C'est vraiment pas terrible. Bon, ok, on arrive là. Ah, d'accord. Ça sert à rien en fait. Très bien, merci. Par contre, je peux passer là. Est-ce que tu crois que ça va me débloquer le. Non, c'est juste un. Je pense que c'est juste un raccourci, mais là tout est rouge. Ouais, y'a que là-bas que c'est vert en fait. Eh salut, je suis là. Bon, je comprends pas tout, hein. Je suis un peu perdu, hein. Je suis un peu perdu. Alors, attends. On va revenir en arrière parce qu'apparemment on peut passer par là. On peut passer en face. Chose qu'on n'a pas fait. Ennemi localisé. Attaquez la cible. Il faut pirater cette porte. Bien. Ouais, je pense qu'on pourra aller sous l'eau après, c'est sûr. Je pense qu'on va trouver un. Alors, qu'est-ce que ça contient ? C'est les petites bouteilles là. Ok, deuxième coffre. Ok, super, mais qu'est-ce que ça change quoi ?
Libérer les Wookiees, ouais, faut que j'aille là-haut, mais je comprends pas, je peux pas y aller. Voir, j'ai compris la moitié du truc, mais... Parce que là, tout à l'heure, j'ai pas été plus loin qu'ici. Bizarrement, on peut continuer. On doit pouvoir continuer par là, en fait. Mais non. On peut pas continuer par là. Ouais, c'est sûr que c'est par là et que j'ai loupé quelque chose. C'est pas possible. Ils m'ont vu. Attends, je vais méditer ici parce que si je meurs, j'aimerais bien pouvoir revenir rapidement. En tout cas, tout à l'heure, j'ai trouvé, je mets deux coups de force dans la gueule, le mec il tombe et je suis tranquille. Mais j'aimerais bien comprendre. Tout à l'heure, ça a pas marché. Garde. C'est une blague. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, au moins on a trouvé. Hey. On vient pour vous libérer. On va dire pas que c'est Chewbacca. Ah. Vache. C'est fini. Vite, Tassim. Lourd dégâts infligé.
Coupage. Coupage en deux. Donc. Je disais. Je crois qu'il y en avait un autre. Il n'y a pas de quoi. Comme par hasard, il était juste derrière la porte. Il a envie de casser de l'impérial. Ils sont allez, dégueulasses les Wookiees par contre. Ils sont vraiment trop mal faits. Trop mal faits, dégueulasses. Merci. On laisse personne derrière nous. Non. Jamais. Alors. Par là. Très bien. Devant. On doit pas être loin. Quelqu'un arrive à le toucher? Tu pourras pas tous nous vaincre. Il est presque mort. Je vais l'avoir. Il bouge vite. Allez-y. J'ouvre le feu. Continue à faire pression. Putain, mais j'appuie! C'est relou ça. Il faut qu'on charge ce truc. Il y a des trucs à chercher là-dessus? Ouais. Un BD1. Ça aide. Mais attends, je... Ouais. C'est tellement stylé. Tu as réussi. Les Wookiees sont libres. Pas sur le toit.
va sur le toit, mais je descends là. Allez, d'accord. Ok, d'accord. Je vais reméditer. Il va falloir que je les re-retue. Voir arbre de compétences, ce que je peux prendre. J'irai plus de force, ça serait pas mal. Oh, ils ont pas respawn. Tu peux sortir ton autre, merci. BD. Jedi, on n'a pas assez de puissance pour percer sa coque. On s'en charge. Ok, c'est bon. C'est tendu, hein. Écoutez-moi ! On a beaucoup souffert ces dernières années. Nous avons perdu des alliés, des amis, de la famille, à cause de l'Empire. Nous avons connu l'enfer. Et cependant, la foi demeure.
Nos espoirs ne sont pas morts. Les Jedi sont encore à nos côtés. Nous, nous sommes toujours en vie. Kashyyyk est toujours grande et forte pour la cause. Ouais. Tu as vu ce que l'Empire a fait sur Kashyyyk. C'est dégueulasse. Il en va de même sur tout le reste de la galaxie. C'est vrai. Mes partisans seraient ravis d'être aidés par un Jedi. Je suis flatté. Mais on a déjà une mission importante à terminer. Désolé. Alors plus tard. Reviens me voir. Bien sûr. Cal, je suis Marie Kosan. Et voici le commandant Choysik. T'énerve pas. Reste calme. Je suis désolé, je ne comprends pas tout. Choysik dit qu'il fera tout ce qu'il pourra pour retrouver Tarful et lui parler de toi. Vous pensez qu'il est en vie? Aie confiance, Cal. On contactera ton vaisseau. Pour la cause. Il est vénère. Ok, eh bien dis donc, ça aurait été très... très puissant, cette fin. Il faut que tu l'électrocutes. Ok, j'ai débloqué un raccourci mais je sais pas lequel. C'est là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, ça ramène direct au... Ah bah top. Top, on va le prendre. Et puis on va s'arrêter là pour la VOD de l'épisode 6. Mais aussi pour... pour le stream. Communications impériales. Le projet Foreuse a été réactivé. L'Empire s'apprête à trouver un nouveau tombeau Zepho. On a encore du pain sur la planche. Tu crois que So et les autres vont s'en sortir? Toujours aussi optimiste, pas vrai? Merci. Merci pour tout. On décolle. Allez. On va juste passer au vaisseau, faire une petite méditation, et on va se quitter là-dessus. Attendez, j'ai ça à poser. Ah bah ça a bien poussé. Ah, il y en a une que j'ai loupée. Bon, normalement, j'avais fait une belle petite miniature pour Kashyyyk. J'ai ma première miniature pour l'autre. Sur ce... bel écran. L'Empire vampirise cette planète. Il ne pille pas seulement les ressources de Kashyyyk. C'est pas faux. En sorte qu'il n'en reste plus rien. Ça ne m'étonne pas de la part de l'Empire. Grâce à mes recherches, j'ai pu obtenir des informations sur cette opération. Parle beaucoup, hein. Il l'appelle le projet C. Ouais, d'accord. Un instant. Ta gueule. Dans ta gueule pour moi. C'est bien que tu puisses couper un peu les... On peut descendre. Eh, ça se trouve, il y a des trucs à voir en bas que j'ai pas vu. Allez. Je m'en doutais. T'es un petit curieux, hein? Attends, bien sûr que c'est un petit curieux, oui. Lui. Voyons voir ça. Ouais, parle trop. Putain, mais il y a des coffres partout, en fait, ici. Nouveau matériau de poncho obtenu. C'est celui-là. Ah oui, celui-là c'est limite le moins pire. Voilà, ça c'est le bout de la map. Ok. C'est le bout du niveau. Ah, je fouille un peu quand même. Pas l'air d'en avoir d'autres.
Ok, bien sûr, ce, mes petits amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures. Demain soir, je ne pense pas qu'il y aura un stream. En tout cas, s'il y en a un, ça sera au dernier moment que je vous le dirai. Vendredi soir, c'est sûr que non. Samedi soir, c'est sûr que non. Peut-être dimanche, du coup. Donc, soit demain soir, même heure, 20h30, 21h. Soit dimanche, après-midi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.